Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo sur le calendrier de l'Avent LEGO City Edition 2018. Et aujourd'hui, nous sommes le 20, nous sommes le 20, nous sommes le jeudi 20 décembre. Donc, on arrive dans les nombres numérotés en 2, on approche de la fin. Je vous rappelle qu'hier, nous avons eu deux petits bolides téléguidés à construire. Voilà, et donc aujourd'hui, eh bien, qu'allons-nous avoir? C'est la grande question, et la grande question va trouver réponse tout de suite après que j'eusse ouvert la case. Alors, encore eût-il fallu que je ne la déchire pas. Voilà, on va y arriver. Ok, et donc on va continuer avec de la mini-construction. Souvenez-vous, j'en avais parlé hier, j'avais dit, est-ce qu'on va avoir des petites différences, vu qu'il nous reste quand même pas mal de petites constructions à faire? Eh bien non, on continue sur la mini-construction, sur du mini-véhicule. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir eh bien, un engin de chantier dans l'idée qui fait des gros trous dans le sol. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Ok, d'accord. Je viens de comprendre. Donc, on va se positionner comme il faut. Voilà, qui devrait faire l'affaire? Mettre la caméra, la lumière un peu ici. Donc, on a cette partie ici. On va mettre deux petites pièces. Donc deux petites barres circulaires à ce niveau-là. Ensuite, on va caser ces poutres techniques afin de faire des chenilles pour notre véhicule, ce qui va rendre plutôt bien. En tout cas, ça a la forme, donc ça passe. Puis, on va caser d'un côté une fois deux avec une accroche à clip mâle, puis une fois deux normale. Ensuite, on va mettre cette pièce jaune ici pour recouvrir et maintenir l'ensemble bien comme il faut. Puis mettre ça ici avec la petite entre guillemets cheminée à ce niveau-là. Et enfin, le petit habitacle avec la pièce transparente une fois une pentue, comme ceci. Voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à raccrocher ça à ce niveau. Mettre la pièce à clip. Et on devrait avoir fait maintenant. Alors, je sais pas trop ce que c'est censé être. Une sorte de foreuse, une sorte de truc qui va pilonner le sol. C'est un peu particulier. On dirait presque qu'il a un bras de robot en fait. C'est assez particulier. Et donc le voilà terminé. Et en vrai, hein, après qu'on l'ait vu autant de fois sur l'image du calendrier de l'Avent, et honnêtement, je trouve qu'il rendait un peu mieux sur l'image qu'en vrai, je ne sais pas. Je trouve la forme du bras pas spécialement incroyable. Elle est un peu trop grande, je trouve, et pas spécialement très très élégante. Je ne sais pas trop comment ils auraient pu la faire de façon différente, mais c'est vrai que là, c'est un peu. Je ne sais pas, je trouve ça un peu. Autant j'aime bien toute la partie ici, l'habitacle, les chenilles, ça rend vraiment bien. Autant le bras, là, je suis un peu moins sûr. Voilà. Mais bon, en tout cas, voilà pour la construction du jour. On aura aussi, donc, en petites pièces, par contre, des pièces assez intéressantes, comme vous pouvez le voir. Pièces trouées, pièces de harpon et petites pièces pentues, une fois une, triangulaire. Et donc ça, où est-ce qu'on va le mettre? C'est maintenant la question, hein, c'est la grande question de ces vidéos. Où est-ce qu'on va avoir la place pour tout ça? Alors, je vais mettre ça ici, que j'ai un peu déchiré, hélas. Bah, je sais pas, moi, j'en sais strictement rien. Bah ouais. Je vais mettre ça là, pour l'instant, près du train qui passe. Donc voilà, on a le... C'est vrai que c'est un peu compliqué, hein, on a le... Est-ce que je pourrais mettre le... train différemment, est-ce qu'on verrait bien? Non, on voit pas trop. Enfin, peut-être mettre ça plus ici alors, genre voilà, mais il y a le drone qui cache en fait maintenant. Ah, c'est compliqué. Bref, pour l'instant on va laisser ça comme ça. De toute façon, le drone va lui aussi devoir partir à un moment ou un autre, vu que logiquement l'hélicoptère qui nous reste encore à construire va finir sur la grosse piste d'hélicoptère, enfin la partie d'atterrissage quoi. En tout cas, voilà pour aujourd'hui. Un cadeau qui est plutôt ok, juste j'aime pas trop le bras, mais hormis ça, ça fonctionne plutôt bien et ça fait un peu de diversité avec les différents véhicules de course qu'on a eu un peu jusqu'à présent. Un petit véhicule de chantier un peu plus utilitaire, c'est toujours le bienvenu. Et donc voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires par rapport à ce cadeau, eh bien n'hésitez pas, et enfin, par rapport à cette surprise, n'hésitez pas, et puis nous, eh bien, on se retrouve demain pour le 21, il ne reste plus que 4 jours avant Noël, nous sommes aussi près de la fin de la semaine, donc je ne sais pas si vous êtes déjà en vacances ou pas, mais je suppose qu'éventuellement les vacances
vont peut-être commencer le 21 au soir. Et donc, bah, pour ceux qui sont encore à l'école, courage, vous y êtes presque à la fin de l'année. Et pour ceux qui bossent le samedi ou dimanche, eh bien, pour eux, désolé, mais il va falloir encore attendre un peu plus avant le 24, avant de se la couler un peu douce, au moins pour un jour. Voilà. Donc, nous, on se. Quand même, le 24, des fois, c'est ouvert, si je dis pas de bêtises. Ah, si, c'est. Les magasins sont ouverts jusqu'au soir. C'est juste qu'ils ferment plus tôt, mais vous pouvez aussi travailler le 24, quoi. Ah là, c'est l'enfer. Travailler, travailler, travailler. Bref. On se quitte là-dessus et on se retrouve donc demain pour la fin de la semaine, pour la plupart d'entre vous, je pense. Et une nouvelle surprise, bien évidemment. Allez, salut à tous et à toutes.